Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire des dollars de sable au crochet. Si jamais vous voulez apprendre le crochet, c'est l'occasion. Donc je vais vous montrer comment commencer votre crochet, comment suivre le patron qui est disponible gratuitement sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et on va faire ces petits dollars de sable ensemble. Donc je vais commencer. La première chose à faire, c'est sélectionner votre fil. Donc je vais utiliser le DMC 100% Baby Cotton. Et la façon dans laquelle j'aime bien commencer mes pelotes, c'est en fait je vais chercher à l'intérieur et il devrait y avoir le bout de la laine en fait depuis l'intérieur. Et après comme ça en fait j'ai pas besoin d'enlever la bande et je peux continuer à tricoter ou à faire du crochet en partant du milieu de la pelote. Donc laissez-moi attraper ce milieu. Voilà donc. Souvent, ça fait ça quand vous ouvrez une pelote pour la première fois. Donc, il faut juste maintenant que je trouve le bout. Ah, voilà, il est là. Ok. Donc, maintenant que j'ai mon bout de laine, je vais vous montrer comment commencer. Donc, pour commencer, on va faire un cercle magique. Et donc, pour faire un cercle magique, vous prenez votre laine comme ça et vous faites une boucle sur vos doigts. Donc, il faut bien que ça se croise comme ça. Et ensuite, moi j'utilise un crochet 3,75, mais apparemment c'est pas trop commun en France. Donc vous pouvez aussi utiliser un crochet 3,5. Et ça c'est pour une laine qui est moyenne, je crois. Donc à peu près 100 mètres dans 50 grammes. Voilà, donc c'est DK léger. Donc c'est une laine numéro 3 DK léger. Et donc, il recommande en fait 4 mm généralement. Mais moi, je prends toujours un crochet un peu plus petit pour que les mailles soient bien serrées en fait. Et c'est ça en fait toute la beauté de faire des petits amigurumis comme ça. Donc, pour commencer votre cercle magique, vous croisez votre laine comme ça. Et ensuite, vous insérez votre crochet sous la première boucle et vous attrapez votre laine. Ensuite, la première chose à faire, ça va être de faire une chaîne. Donc pour faire une chaîne, vous attrapez juste votre laine avec le crochet et vous le tirez sur la boucle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 mailles simples à l'intérieur de cette boucle ici du cercle magique. Donc je vais insérer mon crochet dans la boucle. Comme ça. Et ensuite, je vais faire une maille simple. Et donc ça, c'est votre première maille simple. Ensuite, il vous en faut 4 de plus pour en avoir 5 au total. Donc 3, 4 et 5. Donc maintenant, j'ai 5 mailles simples dans mon cercle magique. Et la raison pour laquelle ça s'appelle un cercle magique, c'est que maintenant, en fait, je peux tirer sur mon bout de laine ici. Et vous voyez, ça ferme le cercle en fait. Donc maintenant j'ai 5 mailles simples dans mon cercle magique. La prochaine chose à faire, c'est qu'on veut faire une augmentation en fait dans chaque maille simple du tour précédent. Donc on va continuer à crocheter en cercle concentrique. Donc vous voulez attraper cette maille-là. Alors souvent c'est un peu compliqué parce que du coup je l'ai un peu trop serré quand j'ai fermé mon cercle magique. Donc, vous voulez attraper cette maille. Je l'ai loupée. Voilà, comme ça. Donc, vous voulez bien attraper les deux parties de la boucle de la maille. Et ensuite, vous allez faire deux mailles simples à l'intérieur ici. Donc, la première et la deuxième. Et ensuite, vous voulez continuer à faire deux mailles simples dans chaque maille autour. Donc ça fait deux. Quatre. Six. Huit et 10.
Et donc là, vous pouvez vraiment resserrer en fait votre cercle magique. Donc vous devez avoir 10 mailles maintenant. Donc si on compte sur le tour, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai bien mes 10 mailles. Ok, donc ensuite, pour le troisième rang, on va faire une maille simple et une augmentation pour augmenter jusqu'à 15 mailles simples dans le rang. Donc ce que je fais généralement, c'est que vous pouvez mettre quelque chose en fait dans cette dernière maille pour compter vos rangs. Là, pour le moment, je vais juste devoir compter parce que je n'ai pas pris de marqueur avec moi. Donc, on va en faire une maille simple et ensuite une augmentation et on va répéter tout le rang. Donc, une maille simple et une augmentation. Donc, c'est-à-dire deux mailles simples dans la même maille. D'accord? Et on répète ça en fait quatre fois de plus maintenant pour aller jusqu'à 15 mailles. Donc, une maille simple et une augmentation. Une maille simple et une augmentation. Une maille simple. Et une augmentation. Et la dernière, une maille simple et une augmentation. Donc maintenant, j'ai répété 5 fois la même combinaison qui était une maille simple et une augmentation. Et donc là, maintenant, si je compte mes mailles, je devrais avoir 15 mailles sur mon rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc j'ai bien 15 mailles maintenant sur mon rang. Et donc comme vous pouvez voir, en faisant des augmentations comme ça, en répétant 5 fois les instructions à chaque fois, ça me donne cette petite forme de pentagone que l'on va voir vu que les dollars de sable généralement ont 5 côtés. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prochain rang. On va faire pareil deux mailles simples et ensuite une augmentation et on va répéter ça 5 fois. Donc vous voyez un peu, c'est toujours la même chose en fait. Chaque rang, on va essayer d'augmenter de on va faire une augmentation toutes les 5 fois autour du rang. Donc maintenant, on passe à deux mailles simples et une augmentation. Donc une maille simple, deux mailles simples. Et ensuite une augmentation dans celle-là. Et en fait, c'est voulu de faire l'augmentation toujours au même endroit. Comme ça, on a bien cette forme de pentagone. Donc c'était une maille simple, deux mailles simples et une augmentation. Une maille simple, une deuxième maille simple et une augmentation. Et donc je continue tout le tour de mon rang à faire ça. Donc encore une fois, faites bien attention de bien mettre votre crochet en fait au travers des deux boucles de chaque maille du rang précédent. Et donc là, je crois qu'il m'en manque une encore. Maille simple, deux mailles simples et une augmentation. Voilà, donc là maintenant, je devrais être arrivée à 20 mailles sur le tour. Donc, c'est encore un peu petit parce que nous en fait on va devoir faire 25 mailles tout autour. Donc on fait encore un rang supplémentaire où on va faire 3 crochets, 3 mailles simples et une augmentation. Donc maintenant ça c'est le dernier rang en fait du devant avant qu'on tourne et qu'on passe à l'arrière. Donc, qu'à ça tienne,
on va faire le dernier rang, donc 3 mailles simples, 'et ensuite une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles simples toujours dans le même, dans la même maille du rang précédent. Voilà. Et après, on va répéter ça encore tout autour jusqu'à ce qu'on ait 25 mailles. Donc ça fait 2. Ah, vous voyez, maintenant j'ai un nœud. Hop. Oui, défaire les nœuds aussi, c'est très. Ça prend beaucoup de temps quand on fait du crochet de défaire les nœuds et de désemmêler la laine. Mais ça fait partie du plaisir de faire du tricot et de faire du crochet. Donc là, j'en suis à ma troisième répétition. J'ai bien fait mon augmentation cette fois-ci. Je n'ai pas oublié de la faire. Et ensuite, 1, 2, 3. Et l'augmentation. Et ensuite, la dernière. Avec 3 mailles simples et une augmentation. 1. 2, 3 et l'augmentation ici. Donc ce serait quand même beaucoup plus simple si j'avais un marqueur. Voilà, donc là si vous voyez, j'ai bien mes 25 mailles sur le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, donc j'ai mes 25 mailles ici. Donc ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tourner notre petit dollar de sable pour faire l'autre côté. Et donc, comment va-t-on faire ça? En fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous vous rappelez, je vous avais dit de bien être sûr de prendre les deux boucles de votre maille. Ce qu'on va faire pour ce rang-ci, c'est qu'en fait, on va seulement prendre la boucle arrière. D'accord? Donc, au lieu de prendre les deux boucles, de mettre le crochet dans les deux boucles, on va seulement prendre la boucle arrière. Donc, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'augmenter, maintenant, on va diminuer. Aussi. Donc seulement dans la boucle arrière, on va faire 3 mailles simples. Donc 1, 2 et 3 dans la boucle arrière seulement. Et ensuite, là, ici, au lieu d'augmenter, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux mailles là et on va les diminuer ensemble. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre crochet et seulement, vous faites seulement dans la boucle arrière encore. Donc vous prenez une boucle. La boucle arrière, ensuite vous allez dans la deuxième et faites une boucle encore. Et vous voyez là, j'ai toujours pas fini ma maille, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant on peut récupérer hop, votre fil et ça fait une diminution. Donc à partir de deux mailles, en fait maintenant on n'a plus qu'une seule maille. Donc ça, c'est votre diminution. Et ensuite, on va faire la même chose tout le tour pour retourner jusqu'à 20 mailles au total. Donc une maille simple dans la boucle arrière seulement, deux mailles simples. 3 mailles simples, et là pareil, donc je vais prendre les deux mailles simples ensemble pour en faire une. Et donc vous voyez en fait ce que ça fait ici, c'est que ça fait un espèce de rebord. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de replier notre dollar de sable pour qu'il soit plat, comme ceci. Donc vous voyez. Donc on va refaire ça pareil encore 3 fois là. Donc 1, 2 et 3 mailles simples et ensuite une diminution. En récupérant. Hop. Et là pareil, encore 2 fois. Donc si vous voulez les instructions écrites aussi, pour faire ce petit dollar de sable. Les instructions écrites sont disponibles, donc comme j'ai dit, sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Donc comme ça, vous pouvez aussi suivre les instructions écrites en même temps que cette vidéo.
si ça peut vous aider à apprendre à lire les instructions écrites en fait. Parce que la plupart des gens ne font pas vraiment de vidéos pour tout leur patron, en fait, ils font seulement des instructions écrites. Donc voilà, et là c'est la dernière que je fais, on diminue. Et donc ça, c'est notre rang où on a fait nos premières diminutions et on a tourné en fait pour faire l'arrière du 2 de sable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à crocheter, mais dans les deux boucles cette fois. Parce qu'en fait, on veut faire le tour et on n'a pas besoin de refaire un rebord comme on vient de faire là. Donc on va reprendre pareil dans les deux boucles et maintenant on va faire deux mailles simples et une diminution. Et je vais vous montrer comment faire une diminution invisible aussi sur ce rang-là. Donc on va faire deux mailles simples comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc avec les deux boucles, on récupère une et deux mailles simples. Et ensuite on va faire une diminution invisible. Donc pour faire les diminutions invisibles, ce que vous faites, c'est que vous prenez en fait la première boucle seulement des deux prochaines mailles ensemble, et vous voyez en fait vous les prenez comme ça ensemble et ensuite vous faites votre maille simple comme d'habitude. Donc on va en faire 5 de plus. Donc pareil, vous faites deux mailles simples, une et deux, et ensuite vous faites une diminution invisible. Donc vous prenez les deux boucles avant, vous attrapez votre laine avec le crochet. Et vous finissez votre maille simple. Voilà, donc je sais pas, justement, vous pouvez pas vraiment voir en fait là où j'ai fait ma diminution avant, parce que du coup c'est bien propre et ça fait bien diminution invisible. On va continuer tout autour afin de descendre jusqu'à 15 mailles maintenant. Donc on va faire une maille simple, deux mailles simples et une diminution invisible. Donc si vous regardez dans mes patrons, en fait, les diminutions, vous pouvez faire toutes vos diminutions en diminution invisible, sauf bien sûr quand on a fait dans notre boucle arrière seulement, parce qu'en fait c'est un peu compliqué de prendre les deux boucles arrière dans une même, sur le même crochet. Donc, il nous en reste un de plus à faire. Donc la dernière, une maille simple, deux mailles simples. Et ensuite, notre diminution invisible. Voilà. Donc, là, nous avons fini ce rang-là. Et vous voyez, en fait, que quand on a commencé, enfin, on a continué à crocheter le dos ici, en fait, ça se ferme bien, en fait, le cercle-là. Donc, vous allez voir comment est-ce qu'on arrive vraiment à quelque chose de plat. Et vous n'avez pas besoin de rembourrage pour cela, parce que du coup, ils sont, bah, c'est des petits dollars de sable qui sont plats. Donc, voilà. Et donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit continuer jusqu'à ce que ça soit fermé complètement. On va continuer cette fois-ci. On va faire une maille simple et une diminution. Et on va répéter ça encore 5 fois autour. Donc, une maille simple et une diminution invisible. Et on va répéter ça 5 fois jusqu'à arriver à seulement 10 mailles. Simple et une diminution invisible. Et donc vous remarquez quand je crochète, en fait, il est tout aplati, mais ensuite après on peut lui redonner sa forme, c'est pas un problème. C'est juste que je trouve ça un peu compliqué de crocheter en laissant en fait le dollar de sable avec sa forme parfaite. Donc généralement je le prends comme ça m'arrange et ensuite c'est pas un problème, on peut redéfinir la forme. Et vous avez aussi peut-être remarqué, mais ce que je fais, c'est que vraiment je serre bien toutes mes mailles parce que, en fait, généralement pour les amis gourmets, bon, pas dans ce cas-ci, mais généralement ce que vous faites, c'est que vous voulez mettre du rembourrage à l'intérieur et vous voulez pas que le rembourrage sorte en fait au travers des mailles. Donc, c'est pour ça que généralement il faut vraiment bien serrer toutes vos mailles. Donc la dernière ici, une et puis votre diminution invisible. Voilà, donc là on est à 10 mailles pour le rang.
Et donc, vous l'avez sûrement deviné, le dernier rang, ça va être en fait de faire 5 diminutions d'affilée pour réarriver à seulement 5 mailles. Et ensuite, je vais vous montrer comment fermer. Donc, vous avez votre petite laine de départ ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Donc, je vais juste tirer une boucle là. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le rentrer à l'intérieur en fait de mon doulard de sable. Vous pouvez aussi la couper si vous voulez, parce que généralement, c'est assez sécurisé quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est juste la rentre à l'intérieur, comme ça, on la voit plus. Et ensuite, je vais reprendre donc, ma boucle ici. Et donc là, maintenant, on va faire 5 diminutions d'affilée pour refermer tout ça. Donc, une. Donc, des fois, là, ça devient un peu compliqué parce que c'est un peu petit. Donc, ça peut vous prendre un peu de temps pour trouver vos mailles. Mais c'est pas un problème, juste prenez votre temps. Et voilà, donc là ça fait 4, je crois. Et la cinquième. Donc vous voyez, en fait, ça devient très très serré. Donc ça peut prendre un peu de temps pour trouver ses mailles. Et voilà, donc ça fait 5. Et donc ensuite, comment faites-vous pour finir votre travail? Et bien, ce que vous allez faire, c'est vous tirez en fait votre laine. Et ensuite, vous pouvez prendre des ciseaux et couper cette laine. Et je vais vous montrer comment la rentrer pour que ça soit joli et que ça soit pas trop. Enfin, pour que ça soit joli, quoi, que ça soit un peu net. Donc, ce que j'ai en fait, c'est une aiguille avec un gros chat, parce que vous voulez pouvoir rentrer votre laine à l'intérieur. Et pour des ciseaux, ben, c'est juste des ciseaux normaux. Mais vous pouvez aussi utiliser des ciseaux à tissu, si ça vous, si vous préférez en fait. Parce que généralement, ils sont un peu plus aiguisés quand même que juste les ciseaux normaux que j'ai. Ok, donc maintenant j'ai coupé ma laine et donc il me reste cette longue fin de laine à rentrer. Donc ce que vous faites, c'est que vous voulez juste enfiler votre laine sur votre aiguille. Donc c'est pour ça que vous voulez un gros chat en fait, pour que ce soit facile à enfiler. Et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans la boucle avant de chacune de vos mailles. Donc j'en ai 5. Donc je rentre mon aiguille donc une fois. 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc vous voyez là, j'ai 5 mailles et donc ma laine est rentrée dans les 5. Et ce que vous faites, c'est que vous tirez. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement j'appuie pour bien tirer. Et vous voyez, en fait, c'est vachement. Enfin, c'est quand même assez propre. Et donc ensuite, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez rentrer votre laine. Et ce que je fais généralement, c'est 3 allers-retours au moins, pour bien que ça soit sécurisé. Donc ça me fait un aller-retour, 2 allers-retours, enfin pas des allers-retours en fait, juste 3 fois. Et voilà, et 3 fois. Donc là, c'est bien sécurisé. Et donc une fois que vous avez fini, vous pouvez juste couper en fait au ras ici. Voilà. Et là, généralement, la chance que ça se défasse, c'est quand même très très faible parce que cette technique, en fait, ça permet vraiment que la laine soit bien rentrée et j'ai jamais eu aucun problème avec que mes nœuds se défassent en fait. Donc ça devrait marcher super. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de broder les détails dessus. Donc on va faire cette petite forme de fleur en fait. Qui se trouve sur les dollars de sable. Donc encore une fois, oh, regardez, cette fois c'est pas c'était pas une catastrophe cette fois de tirer la laine du milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grande longueur en fait de ma laine de contraste. Donc dans ce cas-là, j'ai choisi orange. Et pareil, c'est toujours la même marque, donc c'est aussi du DMC 100% baby cotton. Donc voilà, donc j'ai une grande longueur à peu près, je sais pas, 50 cm, un truc dans le genre, ce qui devrait nous suffire. Et donc ce que je fais, c'est que je vais juste l'enfiler sur mon aiguille. Et je vais partir du centre en fait de ce côté-là,
mon dollar de salle. Et je vais la ressortir. Donc vous voyez en fait là où vous avez fait vos augmentations. Donc je vais juste la sortir en fait par le trou où j'ai fait une de mes augmentations. Bah, d'ailleurs j'ai choisi le trou de la première augmentation. Donc ce que vous faites c'est que vous voulez que la laine soit au travers de la première couche, mais pas au travers de la deuxième. Donc voilà. Juste assez tiré pour pas que ça ressorte de l'autre côté. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle, je sais même pas comment ça s'appelle en français en fait, parce que j'en ai seulement fait en anglais. Mais en anglais, ça s'appelle Lazy Daisy. Donc une pâquerette paresseuse. Je sais pas comment ça se dit. Bref, donc vous avez votre fil qui sort en fait de ici et vous voulez re-rentrer votre aiguille au même endroit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ressortir, mais à la dernière fois que vous avez fait votre augmentation. Au dernier endroit où vous avez fait votre augmentation. Et donc, ça va vous faire, quand vous tirez, donc tirez pas trop fort pour la première, juste pour pas vraiment tirer tout le fil autour. Mais donc, vous voyez, ça vous fait une espèce de boucle comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est juste vous re-rentrer l'aiguille au même endroit. Et ensuite, vous allez la ressortir au deuxième. Donc vous voyez, vous avez cinq endroits où vous avez fait vos augmentations et donc vous ressortez au deuxième endroit où vous avez fait vos augmentations. Ici, le long. Donc vous tirez bien votre laine et voilà, donc ça c'est votre premier motif. Et ensuite, vous refaites la même chose. Donc pareil, vous re-rentrez votre aiguille ici et vous la ressortez vraiment au fond. Et donc vous ne voulez pas vraiment faire autour des deux couches, hein, seulement autour de la première couche. Du tissu que vous avez fait. Donc, pareil, vous la ressortez en haut. Et donc là, vous pouvez tirer un peu plus fort si vous voulez. Mais moi, je préfère le look de enfin, si vous tirez pas vraiment trop trop fort, quoi. Et pareil, vous re-rentrez au même endroit. Et vous la ressortez à la troisième. Au troisième endroit où vous avez fait vos augmentations. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et donc pareil, vous faites ça une troisième fois. Et donc vous allez juste faire ça en fait deux fois de plus maintenant pour avoir 5. Ces 5 motifs brodés. Et ensuite, en fait, vous aurez le choix. Donc, soit vous faites comme j'ai fait, soit vous pouvez le laisser comme ça, donc comme j'ai fait avec celui-là. Vous voyez, il n'y a rien au milieu, et après, en fait, vous juste vous rentrez votre fil. Soit vous pouvez aussi faire une petite étoile en fait au milieu si vous voulez pour sécuriser votre laine encore plus. Donc, et je trouvais ça que ça faisait joli, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que, en fait, il est aussi très très bien sans avoir fait ça. Donc voilà le cinquième. Donc je vais juste vous montrer comment, si vous voulez faire une petite étoile au milieu. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste, je suis juste ressortie en fait avec mon aiguille au milieu vraiment de mon dollar. Et après j'ai pris en fait une maille. Enfin, j'ai juste fait une petite étoile en fait sur le côté, donc je l'ai juste mis entre mes motifs en fait. Donc vous ressortez la laine entre les motifs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas assez bien tiré mon fil là. Donc vous pouvez pareil le ressortir entre chaque motif. Et donc vous faites ça 5 fois pareil pour avoir une petite étoile au milieu de votre dollar de sable.
Et voilà le dernier. Et donc ensuite, pour finir votre travail, ben généralement, ce que je fais juste, c'est que je vais passer par l'arrière en fait. Donc vous voyez, je l'ai ressorti carrément par l'arrière. Et en fait, je vais essayer de faire ça le plus discrètement possible. Donc je vais juste le re-rentrer mon fil en fait pas trop loin. Donc il va peut-être y avoir un petit point orange, mais je vais essayer de le cacher le plus possible. Voilà, vous voyez, ça se voit presque pas. Et voilà, et donc là, ça devrait être sécurisé assez, puisque de toute façon, vous avez fait que des allers-retours à l'intérieur. Et donc, vous pouvez couper votre fil à l'arrière. Et ensuite, si vous voyez toujours ce petit fil, généralement, ce que je fais, c'est que je le rentre à l'intérieur. Voilà. Et voilà, donc vous avez fini votre dollar des sables. Et je les trouve vachement sympas en décoration ou quoi. C'est super joli, vous pouvez faire plein de couleurs différentes, plein de combinaisons différentes. Ça serait peut-être sympa d'en faire un orange aussi avec au final le motif jaune. Vous pouvez faire ça en vert. Généralement ceux-là c'est ceux qui ont déjà été un peu sous l'eau pendant longtemps, mais ils ont plus cette couleur-là en fait, ou des couleurs brunes une fois, quand ils sont vivants. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris à quelques bases du crochet. Et si vous avez aimé cette vidéo, juste dites-le moi. Et j'essaierai de faire plus de vidéos en vous montrant d'autres patrons gratuits que j'ai. Voilà, merci, au revoir.